Ces deux joueuses sont de grands espoirs. Tout ce qu'il nous faut, c'est un club. Pour passer de petit génie à joueuse pro. Lève la main, Serena. Venus Williams. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment improbable. Le tennis nécessite de longues années d'instruction. Même lorsque les familles ont des ressources financières illimitées. C'est comme si vous veniez me voir en me disant que vous avez deux futurs Mozart qui vivent sous votre toit. Vénus et Serena vont changer ce monde. Envoyez-les dans le ciel, c'est bien, voilà. Oui, mademoiselle. Elles feront pas Wimbledon, c'est clair. Pas en s'entraînant avec nous sur ces cours miteux. Il faut juste qu'on s'en tienne au plan, on a des championnes dans la pièce à côté. Vous leur avez appris tout ça? Je dois reconnaître, je suis impressionné. Je crois que vous avez entre les mains le prochain Michael Jordan. Et non, mon frère. Désolé, moi j'en vois deux. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez du tennis? Je sais ce que veut votre père, mais pas vous. Je voudrais être celle qui a gagné le plus de fois le tournoi de Wimbledon. Tu crois que tu vas y arriver? Tous les joueurs et joueuses américains qui ont réussi ont suivi ce chemin. Je pense qu'on va appuyer sur pause pour l'instant. Tu les as retirés du circuit junior. Maintenant, t'annules les entraînements, tu le fais tout le temps. J'essaie de m'occuper de mes enfants. C'est de toi que tu t'occupes. C'est la vie de ta fille. Tu dois la laisser décider. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pour te protéger. Je veux qu'on montre à tous ces gens de quoi je suis capable, que je sais faire face aux épreuves. Tu es une championne. Et le monde entier s'en est rendu compte. Elle va jouer contre la meilleure joueuse du monde. Elle ne pourra jamais la battre. Mais si elle y arrive... Je veux que tu n'oublies pas qui tu es, ni d'où tu viens. Je n'ai jamais eu autant de respect pour quelqu'un que pour toi. Vous allez leur montrer ce que vous avez dans le ventre? Montrez-moi que vous êtes dangereuse. C'est ça que vous appelez dangereuse? Voilà, là, d'accord, là je vois quelqu'un de dangereux. Bon, fais pas ça devant les gens.